Et on se retrouve sur Kristiansand où la ville bientôt noyée, il ne restera plus rien. 24e épisode avec les copains, notre soirée se passe bien. Dame Sissu est folle, elle me redéclare la guerre. Mais bonjour les derrière et Cro-Magnon. Et bonjour. Bonjour. Voilà. Et moi je passe le tour. Comme l'Inérian, c'est beau. C'est vrai, il n'y a pas trop de beaux de people chez vous? Non, je vois. Trop de quoi? Des beaux de people. T'as connu ça quand t'étais gamin? C'était les Cambodgiens, les Vietnamiens, tout ça qui fuyaient sur des pneus ou des coques de noix. En ce terme-là, en tout cas. Ah bah on les appelait comme ça les années 70, en fait. C'est pour ça. Faut pas être jeune. Allez, 70, c'est un tout petit peu trop vieux pour moi quand même. Hop. Ah oui, surtout qu'il faut savoir que ça y est, l'Inérien fait partie du club des quadras. C'est vrai, bravo. Depuis hier, ouais. Tu nous as rejoint? Ah, c'est chouette. On connaît officiellement tous vieux. Ouais. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Plus encore, mais. Bah, la preuve que moi je suis vieux parce que je dis quadragénaire, je ne dis pas ce nouveau mot débile, quarantenaire. C'est comme ces gens qui disent « belle journée ». J'ai l'impression de parler à des cadres, donc ça va plus. Bref, on est là pour se détendre et faire la guerre. Allez. Et toi, il y a pire, il y a les quadras, tout court. Ouais, ouais, mais ça se vit bien. Moi, je vis avec les milfs, donc c'est mieux. Ah ouais, on les aime bien, les milfs. Ah oui, j'ai rien contre. Toutes ces heures à se documenter quand j'étais jeune, c'est vrai. Et merde, par où ma troupe? Pour le coup, c'est quand même pas trop ton cas. Non. Votre espion a été repéré. La police locale est à ses trousses. Choisis sa moyen. Ah, il a pas le droit à l'avion. Bah, en bateau. Échec. Oh. La police madrilène a fait son office. Merde. La police quoi? Madrilène, espagnole. De Madrid. Ouais, j'ai le nez un peu bouché, je suis désolé. Mais j'essaye de faire RP. Hey mes soldats, qu'est-ce qu'on fait? Ah, la cité-état me bloque. Bon, ça va. D'accord. Allez, petit blocus maritime à Chichen Itza. Mon apôtre a fait son taf, tout va bien. Tu m'as dit que tu voulais une relique de quelle époque, Cro? Ère industrielle ou... Ouais. Je vais essayer de trouver, hein, je te promets rien. Après, ère classique, mais j'en ai déjà une de toi, donc... Si tu trouves ère classique barbare, ça m'intéresse. Alors, j'ai un problème. Ou d'une autre civilisation, d'ailleurs. J'avais repéré une ressource pétrolière, mais la zone est inondée, et du coup, elle est perdue. Oh, merde. C'est la merde. Tour du pétrole. Bon, ça sert pas. C'est pas dramatique, hein, c'est un petit malus. On va bien trouver des solutions. Je me dis ça à chaque épisode pour monter le moral. Arbar en approche, sont éliminés. Famine dans une ville. Ah non, ils n'ont pas le droit ici. Ça va mal? Ça va mal. Ah la vache.
On va peut-être faire des champs, on va peut-être payer un bâtisseur. Ah oui, ils ont perdu beaucoup avec les gars. Bien, autre petit concert. Ils aiment tellement ma musique qu'ils se convertent, c'est merveilleux, je suis accro. Alors, si je veux récupérer mon espion... On l'a dans les négociations, ouais, bah oui. Quoi, il veut 137 pièces d'or et 16 partout après? Non. Non. Au revoir. Non, non. Je veux pas faire mes excuses espagnoles. Ah oui, donc... ah oui. Oui. Non, rien. Ah bah écoute, Lynn, c'est sympa. Je peux même plus faire de religion, puisqu'il m'a converti mes villes, tu vois. Ah. C'est pas vrai. Alors t'es le premier à être venu convertir les miennes. Hein. Frustrant hein, quand on a du retard. Hein. Non mais c'est surtout qu'il le fait mais il accepte pas qu'on lui fasse. Il fera mettre ça un jour en défi tous les deux. Alors côté victoire, faisons le point. En diplomatique, ouh dis donc. Cro. Manque plus que 3 points. Un. Ouais, un point même, vu qu'il va gagner les 2 points dans l'autre truc. Et du coup, c'est plus Linerian qui est en retard, là. Ça dépend de quoi on parle. Bah, je regarde entre le culturel et le scientifique. Chaud, hein. Bon, elle, Dame Sissieux, elle veut pas se calmer. Je vais pas attaquer Taruga quand même. Taruga, c'est qui est. C'est Linerian. Ah ouais, c'est toi, le suzerain. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Fais-moi manger. De toute façon, le cité-état, à part Zanzibar. C'est un de nos trois qui l'a. Allez, il faut y aller. On garde la cavalerie en défense. J'ai de l'aluminium? Mais ouais, j'en produis, je vais faire de l'hélicoptère. Waouh! Ça y est! Qu'est-ce que je m'éclatais sur Civ 5 avec les hélicos? T'allais partout, tu poutrais tout le monde. Dirigeable, il est où? Loin pour tirer. Oh. C'est là. Alors extraction, qu'est-ce que je propose? Découverte semble avoir été enfouie depuis l'ère industrielle.
J'ai découvert le journal grand format. D'accord. J'ai un truc comme ça, Cro. Ça, c'est cool. Ça s'appelle comment ? Un journal. Alors, attends. Parce que du coup, j'ai plein de conneries, moi aussi. Journal grand format. Et je peux pas te l'offrir ? Pourquoi ? Ah oui, parce que tu m'échanges contre un truc comme... Ah, c'est obligé ? Non, mais... Écoute, hein... Et ça permet quoi, alors, du coup ? Bah, du coup, j'ai une thématique. D'accord. Dans un des... Plus de tourisme, des musées, et du coup, je fais 18 cultures et 18 touristes. Ok. Voilà. Ça marche. Bah, si tu trouves un air classique... Ça peut m'intéresser. Ok. Bah, écoute, tant qu'il est encore actif, cet archéologue, parce que maintenant je fais des barrières anti-innovation. Ça c'est vu. Est-ce qu'on peut acheter des trucs? Il me reste plus grand chose, donc c'est mort. Ok, bah le tech il passe son tour encore une fois. Ah ouais, j'ai perdu la moitié de mes finances. Un tour, c'est l'âge d'or, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, on va l'envoyer par là. J'ai un colon qui est là aussi. Non, mais c'est n'importe quoi. Et voilà. Non, le tech n'est pas malade. Tout va bien. Eh ben, pour une fois, c'est gros qu'on l'attend. C'est vrai? Ah, ouais. Dis donc, de la soirée, c'est choquant. C'est fou, hein. Oh, j'ai perdu encore un campus universitaire. Non, mais non, deg. Allez, je vais monter le moral, regarder un peu le climat mondial. Hausse du niveau de la mer dans 6 tours. Là, on a encore perdu 213 cases. Oh là là. De quoi? T'es quand même subi une catastrophe naturelle, nous devrions l'aider à reconstruire. Ouais, c'était la... Ah oui, Cro, vous n'avez gagné rien! Si. Bah, toi, t'as rien gagné. Ah oui, j'ai rien gagné, moi. Excuse-moi. T'as gagné quoi, toi? Deux points de victoire. Alors, je suis à 19. Oh. Tu rigoles, il ne manque plus qu'un point? Oui. Comment faire? Ça m'intéresse. C'est tellement rare. C'est tellement rare une victoire diplomatique. Ouais, je t'avoue que c'est la première. Commence à débarquer. Ok. Le médecin est avec, c'est bon. Et ici, on fait de la bouffe, hein. Il faut de la bouffe, allez, faire des champs. Où est-ce que j'aurais encore de l'archéologie à faire? Ah, j'en ai un au loin. Près du Vésuve, c'est chaud. Hein.
Et j'ai de l'uranium, ça y est. Pas de pétrole, pas de pétrole, quoi. Crotte. Alors, il n'y a pas d'autres fanatiques qui se promènent. Ok, on passe son tour. On perd de l'XP. Oula, mais attends, les barbares, ils m'envoient quoi, là? J'ai pas un navire de défense solide dans le coin. L'Inirian? Oui. Vers Amar, t'as une armada là de croiseur lance-missile. Ouais. Tu vois pas aller monter un tout petit peu au nord, j'ai une ville qui est un peu embêtée là. Avec des barbares. Alors, ça t'épouse pas tout ça quand même. Ouah, ça fait des exercices pour tes troupes de l'XP. C'est juste un destroyer qui est. Je le pilonne à la mitrailleuse. Je passe le tour. Moi, ma question, c'est il te reste 14 minutes pour avoir un point. Tu crois que c'est faisable ou pas? J'essaye. Hein. Là, c'est chaud. Ouais, je sais, mais c'est stimulant. Bon, alors nous, on est dans la mouise. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Avec rien. Alors, rien. Si, on va essayer de faire un truc, mais... Alors, concrètement, j'ai gagné dans 2 tours max. Ah ouais? Ah bah on va jusqu'au bout, alors. Et con, on aurait pu avoir une victoire diplomatique. C'est dingue. Y a pas un congrès qui pourrait popper, là? Bah non, on en est loin. Dans 16 tours, tu vois, non, c'est trop long. Dans 14 tours, j'avais mon dernier point. Ah, c'est ça les matchs sans équipe, hein. Chacun pour soi. Le tech largué. Alors, dame Cicieux, arrêtez de vous acharner. 15 tours, bah écoute, hein. Est-ce que le dirigeant... Ah, tu vois, dans 13 tours, j'avais mon point. Ah ouais. Et moi je suis à 22 sur 25 en années-lumière et je progresse de 12 années-lumière par tour. De nul, si vous avez revu la version suivante. J'ai vu un groupe de rock se prendre par chez moi. Le rock, c'est bien.
voilà, il y a des endroits complètement dévastés. Au Kilimandjaro, par exemple, c'est normal. Je dirais ton barbare, Tech. Merci. L'alliance avec Cro-Magnon gagne un niveau. Ok, score d'air plus 1, plus que 5 points pour l'âge d'or. Ouais, ça le fait. J'aurai mes armées chez Dame Sissieux, l'hélicoptère garde la frontière, donc c'est top. C'est top, c'est top. Ok. Ah écoutez, moi j'ai passé mon tour. Te freine plus l'inérience, si tu sais que tu gagnes en deux tours, te freine plus. Fais-toi plaisir. Techniquement, qu'est-ce que tu peux avoir pour gagner un point en plus? Je ne sais même pas, tiens, en merveille ou... Il n'y a plus rien en merveille. C'est fini. Broadway, ouais. Ça donne pas? Non. Ah, c'est moche. Ouais, c'est que écrivain. Bah, puis de toute façon, il faudrait le faire en un tour, quoi. Ouais, 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 mais je suis curieux quand même. Je crois que la roue, c'est la première vague qui m'a épaté quand j'ai commencé à faire des let's play sur Civ 6, tu vois. La biosphère, c'est nouveau, ça? Oh, c'est énorme. Mais c'est compliqué à mettre en place. Par rapport au parc éolien? Ouais. Enfin, pour vraiment exploiter le bonus, c'est compliqué. Faut de la place, quoi. La base antarctique Amundsen-Scott. C'est énorme ça aussi. Ouais, il n'y a rien qui redonne des victoires diplomatiques, c'est ouf. Hein. C'est que ce congrès. Ok. Mais c'est beau, hein. Monter à 19 points, j'ai jamais vu. Hein. Bah j'y ai cru. Ouais, en multi. Bah ouais, j'ai piqué de merveille, c'est vrai aussi. C'est con. Je savais pas que c'était un objectif au départ, c'est pour ça. Ah, l'inérien nous voilà, a eu. C'est nul. Voilà. Ah, vendu. Tout redevient poussière un jour ou l'autre. Il s'est gagné que comme ça, de toute façon. Aujourd'hui, c'est notre civilisation. Vous êtes pris culturel autour 80. Donc, C'est beau, c'est beau. Un jour, peut-être, vous rallumerez sa flamme. Oui, un jour, on se retrouvera en multi, promis. Un jour, on trouvera un autre jeu. Eh ben, dis donc. J'ai perdu. Frise chronologique, voire frise chronologique. Ouf, non. Classement, tiens. Je suis arrivé 11e. Charles de Gaulle. T'es au-dessus, Cro? Non. Je sais pas, moi. Je sais même pas où je suis. Les onglets du haut, en fait. Tu sais, résultat, classement. Oui, bah, il y a un décollage. Et quand tu nous as eu, toi? Ah, oui, ça fait un moment. Ah, bah, je suis Louis 14. Louis 15, moi. Je suis 12e. Ah, je suis passé devant toi. On voit que t'es décollé vraiment autour 92, par là, 95, 100. Ouais. Et moi, je sais pas, parce que j'ai cliqué sur encore un dernier tour, et du coup... Cro, t'as bien remonté, hein, tu m'avais doublé hein, sur la fin, j'étais parti bien devant. C'est la guerre avec Dame Sissieux qui m'a freiné. Je sais pas. Eh bah écoutez, c'est bien, en tout cas, j'espère que tout le monde a apprécié ce let's play, les participes 6, et bah c'est vrai que j'aimerais faire une pause là-dessus parce que j'en ai tellement bouffé, moi je ne peux plus. Donc je vous remercie pour votre compréhension. Et puis avec Inarion et Cro, si on trouve autre chose, bah on reviendra s'amuser ensemble. Ce sera toujours avec plaisir. Pas de Kleenex, ça va? Non, ça va. Ça fait bizarre. Ouais. Ça fait bizarre. Ouais, non, mais je suis vraiment gavé de ce jeu, je n'en peux plus. Hein. Faut le comprendre. C'est comme ça. Allez, on se dit à une prochaine aventure, un plaisir promis. Bye bye tout le monde. Salut les copains. Ciao. Prochaine, ciao. We'll be right back.